Wesh les frérots, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec Oliver Winters pour la suite. Mais avant tout les gars, je tenais à m'excuser pour mon absence, pour les gens qui ont suivi un peu sur Discord, ou même j'ai mis un message dans Anglais Communautaire. J'étais malade. Dans un premier temps j'avais une putain de grippe, j'étais déjà pas bien. Et ensuite j'ai eu un petit accident. Quand j'étais à la salle, j'ai poussé un poids. Et au moment que j'ai poussé le poids, j'ai fait ma séance, j'ai eu un mal de crâne. Et ce mal de crâne il est resté, j'ai pas fait attention. Mais à un moment donné, ça commençait à trop me gêner, à faire mal. Et du coup c'est là que je suis parti à l'hôpital pour faire des analyses. Le docteur m'a envoyé direct en urgence, on a fait IRM, scanner, ponction de le dos, plein de trucs. Au final, ils ont rien trouvé. Et je vais pas vous cacher que même là, actuellement, quand je vous parle, j'ai encore la douleur. C'est un peu moins, mais il est toujours là. Je m'excuse encore, les frères, parce que j'ai pas pu sortir de vidéo. Ça me fait chier un peu. Mais bon, c'est la vie, hein. C'est des choses qui arrivent. Je tenais quand même à vous remercier pour vos soutiens, etc. Parce que j'ai vu vos messages, Instagram, même YouTube. Voilà. Ça y est, là, je suis de retour. Je vais essayer maintenant de reprendre un bon rythme. Comme avant, quoi. On va essayer de se remettre dans le bain, etc. Là, ça fait, je sais pas, presque 3 semaines, je sais pas, moi, presque un mois que j'ai pas joué. Je sais même pas qui s'est passé. Enfin, je sais en gros parce que vu que je suis fondateur, je sais qu'il y a eu des morts avec les gens que je joue avec. Mais ça, on va découvrir en RP. C'est un peu la merde. On a raté beaucoup de choses. On va faire comme si on était malade aussi en RP, quoi. Et voilà quoi, les frères. Ben, moi, je suis perdu. Je sais même plus. La dernière fois, quoi, on était millionnaire. Ouais, mais c'est pas vraiment millionnaire. Vous voyez ce que je veux dire? Mon entreprise, elle a atteint le million, mais à tout moment, ça rechute. Donc, c'est pas encore stable. Moi, de toute façon, aujourd'hui, je vais me faire un petit kiff. Hein. Là, pour le retour, j'ai envie de m'acheter une petite caisse et préparer aussi la course avec Oscar parce que ça continue. Hein. On va essayer de demander au patron si on pourra avoir le boîtier, etc. Et un petit peu se remettre dans le bain, quoi, les gars. Déjà, dans un premier temps, les frères, on va aller voir nos messages. Mes employés sont plus là. En vrai, j'ai pas eu de message, hein. Les gens, ils s'en battent les couilles de moi. J'ai pas d'amis, les gars. Instagram. Et qui c'est une meuf? Je la suis, elle. On va faire une petite photo, déjà. On va mettre, on est de retour. Je vais dire, j'avais le Covid, les gars. Ça existe pas le Covid, mais je m'en bats les couilles, je vais dire ça. De retour après le Covid. Je mets ça, je m'en fous, hein. Les gars, je suis désolé si je suis pas à fond. Je vais essayer de me remettre dedans. C'est un peu compliqué, les gars. On va pas pouvoir rouvrir le casino alors si j'ai perdu mes employés. Mais après, je suis pas au courant de tout ça. Y a pas un numéro que je connais là que je peux prendre des nouvelles? Attends, je vais appeler Lara déjà. Allô? Allô, Lara? Eh, bah putain, t'es sorti de ton trou, c'est comment? J'étais hiberné, putain, j'avais le Covid. Ouais, je sais. Ouais, oui, tu savais, c'est pour ça, toi, t'étais au courant. Putain, c'était la merde, là. J'essaye de me remettre un peu sur pied, mais je suis encore un peu malade, tu vois. J'ai l'impression que je suis un homme des cavernes, là, qui se réveille. Ou j'étais Captain America, j'ai été congelé. J'avoue, je sais même plus à quoi tu ressembles, je sais même plus. Je sais même plus ce qui s'est passé dans la ville, va falloir que je me renseigne. Mes employés, j'essaie de les appeler, là, ça répond pas. Aïe, 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 bah oui, c'est passé des dingueries, hein. De toute façon, moi, je suis à la ferme, là. T'es là, toi? Ouais, on est là. Bon, avec un gros O majuscule, on est là. C'est ça aussi. Comment ça? C'est quoi encore? Il y a du monde à la villa maintenant. Ah ouais, ça vit, hein, pendant que moi, je galère. Bah oui, mais je pouvais pas venir te voir, donc bon, qu'est-ce que je fasse? Moi, je continue à vivre en même temps, je vais pas là morfondre. Voilà, j'allais guérir, mais bon. Là, le casino va bien, tu vois, je suis passé l'autre jour vérifier que tout allait bien, qu'il y avait rien qui avait été volé, j'ai regardé les caméras de surveillance, il y a rien eu. Le compte en banque, il est nickel, j'ai tout vérifié déjà. Heureusement que t'es là. Ouais, t'inquiète pas. Vas-y, j'arrive là alors. On est dans la piscine. Ouais, ouais, ça vit. Ouais, ça vit bien là, je te vois. Je raccroche ta gueule. Vas-y, on va match, les gars, ça fait longtemps. Wesh, match tout le monde, moi. Wesh, les nombres de meufs qu'il y a, wesh. Carrément, je peux plus like. J'ai match avec une June. Salut, toi, comment on va? Les gars, déjà qu'on arrive, on reprend du service, les gars. Moi, je vous le dis, hein. Valentina, salut, ma poule. Voilà, allez, let's go. Wesh, c'est quoi ces caisses? Non, j'en peux plus. La Twingo. Non, c'est trop, les gars. Eh, ça, faut qu'on la teste, ça. Mais ça y est, maintenant, je suis riche, moi. Je m'achète plus des véhicules comme ça et pourtant, j'ai envie de la tester. Ah ouais, ça va ou quoi? Comment il va? Ouais, ça va. T'es blanc comme neige, hein. T'es sûr que ça va? Ouais, c'est, j'étais confiné. C'est qui cette gazelle là à côté de toi là? Ça commence bien la journée. C'est Tantine. Enchantée, Tantine. T'es une tante, c'est ça? Ouais, de Saki, ouais. On a de la famille là, c'est ça que je voulais te dire, mais vas-y, on va en parler après. Bah, bonjour tout le monde, hein. Oh, salut. Ah, le Saki, ouais, le patron. Ah, ça y est, maintenant je t'appelle patron. Enfin, Saki maintenant, ouais. On est bientôt beau-frère. Ah oui, je me suis fait une petite beauté parce que les cheveux qui ont poussé. Ah non, c'est trop cette coupe, c'est... j'ai envie de te gifler. Il est beau comme ça, hein. Franchement, il est trop beau comme ça. J'ai envie de te gifler. C'est moi qui lui ai conseillé de faire cette coupe, je trouve que ça lui allait grave bien. C'est surtout pour le mariage, tout ça. Et puis, ah oui. Bah, on se met bien et puis on a invité toute la famille pour ouais, organiser ça. Tout ça. Et... Ah, eux, c'est votre famille? Ouais, oui, enchanté, Tony Gibbs. Il y a mes frères. Ah, enchanté, Tony. Diego. Enchanté. Attends, vous deux, vous êtes frères? Demi, enfin, ouais. On a la même mère, mais pas le même père. Ça fait plaisir. Ouais, c'est ça que je voulais te dire. En fait, bah, comme t'étais pas là, nous, on a profité pour, vu qu'il y a beaucoup de chambres, bah, pour commencer à inviter les gens et tout, pour préparer le mariage. Hein. C'est bientôt. Hein. De toute façon, maintenant, vous avez ma bénédiction, hein, comme on a parlé la dernière fois. Enfin, je me rappelle même plus ce qu'on avait dit.
Rappelez-vous. Normalement, t'étais autorisé à dormir ici, mais t'étais malade, on t'a donné la grange là-bas pour que tu puisses dormir. Putain. T'étais isolé, mais sinon, t'étais le bienvenu, quoi. Ouais, bizarre quand même, hein. T'aurais pu m'enfermer dans une chambre. Bah ouais, mais c'était mieux, enfin, c'était plus sympa pour toi, tu vois, au milieu des vaches et tout. Ouais, j'avoue. En bonne compagnie. Elle a quel âge, elle? 39. Ah, trop vieille, désolé. Là, je suis parti sur Tinder, il y avait au moins 20 meufs, j'ai marché tout le monde, là. T'as pas perdu la main, en tout cas. Hein. À mon avis, il y a des meufs qui sont morts entre temps. Et j'ai marché, tu vois. Mais t'es pas parti 10 ans. Hein. Mais Lara, il y a plus aucun employé qui me répond. Ouais, bizarre. Pour ça, faut que je me renseigne, là, parce que c'est pas normal, ça. Toi, t'aurais pu bosser aussi avec eux, tu vois, mais s'ils étaient pas là, comment tu veux faire? Bah, moi, j'avais personne, donc j'allais pas ouvrir quasiment tout ça. Ah oui, c'est sûr. Je vais regarder un peu les journaux, les actualités, je vais me renseigner un peu et voir après. Je pense que je vais reprendre mes marques. Mais là, je me suis dit, on se retrouve, ça fait un mois, on s'est pas vu. On va boire un verre dans un bar. Faut que je me défoule un peu, parce que ça fait longtemps, vous voyez ce que je veux dire? Et aussi, commencer à parler de votre mariage, voilà, pendant qu'on y est. Ouais, faut que je te parle d'un truc d'ailleurs. Vas-y, dis. Tu fais partie de la police. Non, en privé. Allez, me dis pas que t'es enceinte, putain. Non, pas du tout. Ça se fait pas, ça, le mariage avant, hein. Voilà, t'as tout compris. Du coup, ouais, j'ai vu sur Twitter, le 4 café vient d'ouvrir. Si vous voulez, on y va. Bah, vas-y, on va boire un petit verre et comme ça. Ouais, j'espère que t'as bien entendu ça, Guy, hein. Mariage avant. Le mariage avant, moi, je te le dis, hein. Écoute-moi bien, là. Maintenant, là, si tu veux avoir ma soeur, il faut respecter les conditions. La dot, déjà, faut me payer. Je suis un peu comme un père pour elle, là. Bon, ça, wesh. Ah, mais j'étais à l'œil, tu vois. Oui, non, mais c'est bon, je suis pas non plus. C'est moi la plus grande. Là, t'es sur mon toit ici. Comment ça, sur ton toit? C'est mon toit, c'est moi qui ai acheté cette maison. C'est pour lui faire comprendre un peu que voilà, qu'il a pas le droit de tout faire non plus. Vous avez pas encore niqué, j'espère. Ça te regarde pas. Enfin, on va parler de ça devant toute la famille quand même. Ouais, et après, moi, en tant que millionnaire, j'aimerais bien aujourd'hui me faire un petit kiff quand même, acheter une voiture. C'est vrai, j'avais oublié ce détail-là, que t'es millionnaire. Millionnaire, voilà, mon entreprise. J'ai un SMS à envoyer et. Vas-y, je vais me changer, moi, j'arrive. Vas-y. Je reviens, je vais essayer d'appeler mes contacts aussi. Vu que les gars, c'est la reprise, on essaie de reprendre nos marques, on va pas y aller directement. On testera la voiture après. Là, on va un petit peu faire un petit tour. On va essayer d'avoir des infos. Qu'est-ce qui s'est passé? Calvin marche pas. Il y a pas un contact qui marche. Après, j'aurai besoin du boîtier parce que je dois préparer ma caisse. Ah, ok, je vois. T'as de la chance, j'ai toujours ces trucs là. Hein. Tu me donneras ça après alors. On va dans quelle voiture? Tu peux monter avec moi, monsieur. C'est un Range Rover. Eh ouais, ça c'est une voiture familiale. Enfin, je veux dire, ouais. C'est... Ah ouais, toi tu commences déjà. Non, mais voilà, moi je suis content pour toi, mais ça me fait peur quand même tout ça. Tu vas un peu trop vite là, à mon goût. Mais je vais pas trop vite, c'est pas parce que je pense à avoir une voiture familiale. Là, j'avais une occasion, j'ai acheté, c'est tout. Rappelle-toi, avant tu me disais, des fois il te faisait peur, mais. Ouais, mais je te disais ça pour. Voilà, pour faire genre. Ah, parce que tu osais pas. Je voulais pas que tu prennes mal. Non, mais comme ça, si tu dois mettre un siège bébé derrière, tu vois, il y a de la place. T'es sûr que tu veux des enfants? Bah oui, je suis sûr, attends. Non, mais après, t'as raison. Non, mais c'est notre descendance aussi. T'imagines si j'avais pas d'enfants et si, bon, bah toi, tu risques pas d'en avoir vu que t'as pas de meuf, donc c'est pire. C'est grave, mais... hein, tout ce temps-là, je trouve pas de meuf. Mais hein. Ouais, voilà. Donc je me dis, s'il y a bien quelqu'un qui doit faire une descendance quand même, que notre famille, elle perdure, tu comprends? Ouais, t'as raison. Ah, de toute façon, je sais que pour l'instant, je suis pas vraiment millionnaire. Hein. C'est juste l'entreprise. Faut que je continue à bosser. Hein. Et comme tu dis, les impôts, tu. Bah déjà, il y a les impôts. Il y a les salaires, etc. Faut cotiser. Il y a tellement de trucs à payer. Oh là, t'imagines même pas. Hein. Attends, il y a une June qui m'a match là. Salut, j'ai pas fait exprès de te match, sorry. Oh non. Oh merde, ça part tellement mal. Comment t'as pas de chance, toi? C'est une dinguerie. Tout le temps, c'est la même. Moi, je vous suis, je sais plus la route, je sais plus comment ça se passe. Hein. Oh, la June, elle me répond. Elle dit tout ça. Comment ça, tout ça? Bonsoir. Salam alaikum. Bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir. Ça va très bien et vous? Ça va comme des roulettes. Qu'est-ce que je peux faire pour vous tous? On va prendre un petit menu sucré pour tout le monde, hein, une petite boisson chaude et un petit gâteau, quelque chose comme ça, quoi, pour bien démarrer la journée. Un menu sucré, ça va être boba, vous avez le choix entre plusieurs saveurs et un mochi. Et toi, t'es sucré? Non, pardon, c'est juste j'étais hiberné, j'avais le Covid. Ça fait un mois, j'étais pas là, c'est pour ça. Désolé. Il était enfermé dans la grange, désolé, du coup, ça l'a un peu. Je suis devenu un animal. Là. Vu que monsieur et madame m'ont enfermé dans une grange avec des animaux, je suis devenu un animal maintenant. J'ai réagi comme un animal. D'accord. On apprend un petit peu à se re-sociabiliser. Du coup, vous désirez quel saveur? Nous avons fraises, pommes, myrtilles et orange. Myrtille. Ouais, tout le monde myrtille. Allez, orange, moi. Ah, oh putain. Moi, fraise. Okay. Je pense que c'est pour la dame. Un fraise. Ah non, chacun ses goûts, hein. C'est vous qui avez fait tout ça, madame? Ah si, c'est dans la vitrine, oui. Ah ouais, vous avez des doigts de fée. Du coup, c'est que 3 menus ou vous en voulez Dommage, elle me dit June. Comment ça? Dommage. Mais elle me dit dommage. Comment ça, dommage? Mais je sais pas, moi, qu'est-ce qu'elle raconte, elle? En fait, je lui ai envoyé plein de haine parce que j'ai appuyé sur, tu vois, t'as compris. Ouais, je dirais qu'elle m'a dit oui, c'est fini entre nous, June. Hein? Bah, vous connaissez ou. Non, elle dit c'est fini entre nous parce qu'elle veut rien. D'accord. Et pourquoi elle est sur Tinder alors? Je comprends pas. J'ai dit laisse-moi une chance, s'il te plaît. On va voir. À un moment donné, voilà. Moi, je suis jaloux, moi. Vous allez vous marier, j'aimerais bien qu'on marie. Non, mais moi, je te dis, attends le mariage, il y aura plein d'invités. Il y aura peut-être moyen que tu trouves quelqu'un là-bas. Mais c'est une folle, elle. Laisse-moi une chance, s'il te plaît. Après, elle fait dis encore, s'il te plaît. Mais si elle croit, moi, je suis son chien, moi. Elle croit que je vais faire ça? J'ai envoyé 3, s'il te plaît, là.
Ah ouais, non, mais c'est dingue. Ah oui, en effet, t'es en chien. Elle a dit ok. Wesh. Bon, allez. Vous voyez, faut jamais perdre d'espoir. Je vais lui dire, je suis au 4 cafés, viens. Ah là là, June, elle m'a dit, je préfère les chiens, désolé. Parce que j'ai dit, je viens au 4 cafés. Non, je vais lui dire, ben moi, je suis un chien. Je suis un chien, inquiète. Voilà, c'est bon. Désolé, je vous cherchais, je savais pas où vous étiez. Nous sommes ici. Waouh. En tout cas, madame, vous avez un joli tatouage sur le torse. C'est quoi? Un visage? Non, c'est des formes géographiques. Ah ben, on voit pas très bien en fait, parce qu'il y a... Géographique? C'est quel pays? Géométrique. Vous pouvez, mieux nous montrer? Alors non. Ah bon? Ça sert à quoi d'avoir un tatouage si on veut pas le voir? Je vous fais une facture. Jolie chaussure, madame, aussi. C'est pour marcher. Mais oui, mais vous avez raison. Vous avez raison, putain. Merci, madame. Putain, c'est bon, ça. Là, je mange maintenant. Je suis contente que ça vous fait plaisir. Il est bon, le macaron. Du coup, Saki, t'as vu? 181 voitures. Comment ça? T'as sorti du garage, là? 181 voitures, ouais. Mais tu m'as dit que j'avais arrêté avec tout ça. Ouais, il faut que je montre. Tu vois, il faut que je montre à la famille. Mais moi aussi, je veux voir. Quelques-unes qui sont déballées, déjà, tu vois. Après, je cherche pas des grosses voitures. C'est juste pour marquer le coup. J'ai gagné un peu d'argent, là. J'ai envie de faire un petit kiff, tu vois. J'ai déjà eu des 205 GTI, mais 205 T16, là. Y'a pas ça, Netflix? Si, jeunesse, c'est obligé. Arrête! Ok, bon, on va aller faire un petit tour après. On va regarder ça. Ça coûte cher, ça? C'est collector? Oui, bah oui. Mais toi, tu me fais gratuit maintenant. Ah, je rigole. Gratuit. Elle est venue te voir. Quoi, mais... Vous pouvez parler. Non, mais oui, vous pouvez parler deux minutes. Ah bon? J'ai pas compris. Salut, ça va? M'appelle Diego. Je vais peut-être vous laisser, vous inquiétez pas. Je suis influenceur. On m'a hacké mon compte, du coup, voilà. Et bah, salut pour vous. Je suis patron du casino aussi. Ouais, oui, mais oui, pour ça, oui, bah oui, d'accord, oui. Ouais, c'est parce que, ouais, j'aimerais bien, par rapport au casino, on fasse un partenariat, peut-être. Ramenez vos. Que là, j'ai goûté, là, c'est vraiment très délicieux, vos petits macarons. Bah, si vous voulez, vous me dites juste quand est-ce qu'il y a la soirée, puis je prévois mes employés, je les préviens. Venez au pire à l'intérieur, ça sera mieux pour discuter. Ah, ouais, ok, vas-y, j'arrive. Salut Diego. Wesh, Aziz, attends, j'arrive. Ouais, c'est moi. C'est toi la patronne? Co-patronne. Ok. Ouais, disais. Du coup, j'ai fait l'inauguration il y a un mois de ça. L'inauguration de mon casino. Tout s'est bien passé. Il y avait beaucoup de monde. Ah, je me suis fait un peu d'oseille, voilà. Pas beaucoup, mais ça va. Une fois que la chance me sourit un peu. Comme quoi, l'œil des gens. Oh là là là, il faut vraiment que je vais voir un prêtre pour me protéger. Et là, je tombe malade. On est obligé de m'hiberner. Je suis obligé de rester enfermé. J'étais enfermé dans la grange avec des animaux. Pour ça, j'ai perdu un peu, voilà. De la sociabilité, vous voyez. Tu vois? Je vois. Ah, je peux te tutoyer, je pense. Oui, bien sûr. Là, j'ai goûté tes petits gâteaux, là. Et je me suis dit. Pourquoi pas importer tout ça aussi à mon casino? Parce que je vais essayer de reprendre en main tout ça. Surtout que j'ai plus de nouvelles de mes employés. Je me demande s'ils sont encore en vie. Un qui s'appelait Uno, Amon, Roy, Calvin, ça te dit rien? Rien du tout. Putain, je vais essayer de voir, je vais essayer d'enquêter parce que j'enquête en même temps là. En plus, Uno, c'est assez atypique. Ouais. Ouais, il était un peu con. On dirait un prénom de congolais, mais c'est la vie. T'es congolaise, toi? Je suis coréenne. Coréenne? J'ai pas vu avec les yeux, avec les lunettes. Je peux retirer mes lunettes s'il faut. Non, ça, t'inquiète. Ça se voit pas, je les cache un peu. Mais bon. Pourquoi? T'as honte? Non, mais j'aime bien mettre des lunettes de soleil. Ah, ok. Je trouve que j'ai un gros visage. Tu sais, c'est grâce à ses défauts, c'est ça qui donne un charme. Ouais. Moi, j'ai plein de défauts, moi, sur moi. Et les gens kiffent plus mes défauts. Après, c'est vrai que t'as un grand front, quoi. Voilà, parce que j'ai un grand cerveau. Non, mais après, pour la soirée, je... Ouais, bah attends, prends mon numéro. Et toi, Jenny? C'est moi, Jenny. Je te dérange pas plus, parce que là, j'ai un rendez-vous avec les autres. Merci, en tout cas. Bah, de rien, c'est normal. Et puis, bah, n'hésite pas, tu me bipes quand tu ouais, veux. Ouais, comme ça, tu ramènes tes trucs là-bas, et comme ça, on peut bosser aussi au casino, et ça peut être cool. De toute façon, on en discutera bien du contrat, bien comme on fait, une fois que je reprends mes employés. Ok. Tu auras accompagné? C'est plutôt à vous. Ah, ouais, c'est vrai. Aziz, après, il faut que je te parle. Vas-y. J'ai retrouvé un employé. Et voilà. Merci, bah, viens. Non, mais je vais aller m'occuper des employés. Ah, ok, bon, bah. À la prochaine alors. À la prochaine. Allez, au revoir. Gros bisous. Zoubi. Merci, grâce à toi, j'ai eu un bon client là. Ah, oh, bah c'est bon, carré. Voilà, on verra. On va voir les véhicules. Vas-y, go. Attends, il y a Aziz. J'ai retrouvé un employé, Aziz, le concierge. C'est quoi cette histoire, bordel de merde? Oh putain, mais oui, je me rappelle de toi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de bordel de merde? Quelle histoire? Ça suffit maintenant, les conneries. J'étais malade et j'apprends quoi? Le casino, il a pas été ouvert. La rat, il voulait ouvrir le casino, il y a pas d'employés. Ils sont passés où les autres? Personne ne me répond. Bah, je sais pas comment te dire, mais apparemment, ils sont tous morts. Ils se foutent ta gueule en vrai. Quoi? Non, je suis sérieux. Même tout à l'heure, je suis allé à l'enterrement de Amon. Non! Dites-moi que c'est une blague, les gars! Dites-moi que c'est une blague! Non, elle est vraiment. Je sais pas qui c'est. Amon, putain, c'est lui que l'on engueulait, on l'avait viré! Mais non, mais c'est du mytho, c'est pas suicidé. Vrai. Non, par contre, t'as l'heure. Est-ce que c'est vrai, monsieur? C'est vrai, vous êtes témoin? Oui, tout à l'heure, j'étais à l'hôpital, tout le monde. Ils sont morts, putain, non! Il lui est arrivé quoi, wesh? Il est en bonne santé, pourtant, je crois pas. Ah, ouais, dis-nous, là! Non, je crois qu'il s'est fait tirer dessus, je suis pas sûr, mais je crois. Eh, mais attendez, rappelez-vous, ils avaient des primes sur la tête, ils m'avaient dit. Oh, mais oui, c'est vrai, putain, ils devaient changer de nom. Vaut mieux, ils sont morts avant, parce qu'ils m'auraient foutu dans la merde en vrai. Ouais, je m'étais horrible de dire ça. Tu
m'occupe pas trop maintenant, j'ai pas envie de me mêler de tout ça. T'as pas, tu connais pas des gens qui sont proches à lui, qui peut, je peux leur souhaiter condoléances. Après... Il y a un certain Deismos, si tu veux. C'est qui? Je crois que c'était un proche de monsieur Amon. Ouais, j'irai voir ça après. Là, j'ai... Donc, je dis j'ai là, parce que là... Bon, on va aller voir les véhicules? Ouais, allez, let's go, ouais, les véhicules. Ouais, bon, allez, passez une bonne soirée. Allez, hein, Aziz, t'es viré. Vive le chômage! Non, on te tient au courant. Ouais. Alors, vous êtes qui, vous? Moi, je me présente, je m'appelle Juan Tabarez. Et du coup, j'ai vu que vous avez ouvert le casino, tout ça et tout. Je voulais savoir, du coup, si dans votre établissement, vous recrutez du personnel. À mon avis, j'en aurais besoin, là, monsieur. Passez-moi vos numéros et je vous recontacte. Bah, vous me tenez au courant si vous recherchez du personnel. Moi, je suis disponible. Vas-y, bah, je vous tiens au courant, là, monsieur. Vous avez l'air d'être professionnel et tout. Voilà. Vous êtes propre, vous sentez bon. Donc, à mon avis, ouais, y a moyen. Merci bien. Bon, bien. Allez, au revoir. Bonne soirée, monsieur. Merci, bonne soirée. Allez, bonne soirée. Putain, je suis dégoûté si c'est vraiment vrai. Cette histoire, ça m'a l'air d'être vrai. Parce que ça veut dire quoi que... T'es au courant de quelque chose, maintenant tu vas me dire la vérité. C'est toi qui les as tués. Mais pas du tout, mais qu'est-ce que tu racontes? T'as vu que le casino, il a charbonné, il a bien marché et... Oh ouais, j'ai pas que ça à foutre, moi j'ai mon mariage organisé et que pas me saouler avec des de merde là. Tu veux me pourrir la vie jusqu'au bout, c'est ça? Dis-moi la vérité. T'as pas changé en fait. T'as pas changé. Comme par hasard, je tombe malade. Comme par hasard, mes employés sont morts. Et comme par hasard, t'as pas ouvert le casino. Oui, comme par hasard, dès qu'il t'arrive une merde, faut remettre la faute sur qui? Ah bah sur Lara. Ouais, c'est super facile de faire ça. Ou bien que je me défoule sur quelqu'un, je suis désolé. Oui, bah j'ai l'habitude, de toute façon, c'est moi qui prends tout. Désolé, j'ai une vie de merde aussi, qu'est-ce que je te dis? Après, tu vas me dire, je mérite? Non, j'ai jamais dit ça. Au contraire, tu mérites pas. Je pense que tu mérites juste d'avoir une vie tranquille. Ouais. Allez, pour te remonter le moral, peut-être tu vas trouver un petit véhicule là. Ouais, je vais acheter un peu, voilà, comme ça va. Je vais dépenser un peu et je vais aller me défouler après. Oh non, mais c'est pas possible. Oh, ouais, je vais péter les plombs. C'est un truc de ouf. Ah, ouais. Ah non, c'est bon, je suis amoureux, j'ai plus besoin de meuf là. Ça coûte combien un véhicule comme ça? Là, je le fais à 90 000. C'est tout, c'est rien ça pour moi maintenant, vas-y, je vais la tester, j'arrive. Les gars, je vais péter les plombs. La T16, ah, elle marche bien les gars. Après qu'on va le reprogrammer, ça va être incroyable. L'intérieur, comment il est? Wow, l'intérieur, il est trop joli, il est trop bien fait l'intérieur. Ça y est, ça va recommencer les gars, ça va collectionner des véhicules. Hein. Je vais me lancer dans une collection de véhicules. Hein. Wesh. Ah ouais, t'as un deuxième modèle? Ouais, c'est là, je l'ai préparé celle-là. Non mais je veux celle-là. Ça c'est pour le run et tout ça. Les gars, la course avec Oscar là. Vous nous faites avec celle-là, wesh. Oh là 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 là. Alors t'en penses quoi celle-là? Franchement, je l'achète parce que j'ai envie de faire du run. Ah, c'est pas le même prix, hein. Ça, là, c'est combien? Là, c'est 100 000 de plus, 180. 180 000? Ouais, 180 000. Ok. Écoute, je te ferai un virement. Enfin, ouais, fais un virement maintenant. Pas le temps, moi. Voilà, je t'ai payé 100 000 déjà. Ok, parfait. Il manquera plus que les 80. Mais tu sais, de toute façon, t'as vu les comptes du casino. Ils sont tous au casino. Faudra que je retire là-bas. Et la prochaine fois, je te donne ça. Ok. Et tu peux garder toujours la carte grise. Bah, tu me donnes juste les clés et on changera la carte grise. Je te donnerai tout, comme ça, on est réglé. Je t'ai fait une facture. T'as un mois pour le payer. Ok, parfait. Bah, vas-y, moi, je veux juste mon boîtier. Ah, ton boîtier. Maintenant, tu montes dans la voiture et tu... Oui. Ta tablette. Parfait, merci pour le boîtier. Écoutez, moi je vais aller faire ça, hein. Je vais aller préparer mes véhicules. Je tiens au courant, amusez-vous bien. Vas-y, à plus, fais attention à toi. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Prends-moi pour un con, toi. Oh, attends, prends-moi pour une conne, toi. On vous a à l'œil, vous deux, hein, les tourtereaux. Ouais, là. Ouais, bah tu peux bien m'avoir à l'œil, ouais, ça va rien. Hey, commence pas, je t'as pas ma bénédiction, comment ça, sinon. Commence pas, mais attends, mais tu es en train de me prendre la tête, juste pourquoi là exactement? Je sais pas, j'ai encore la rage. Ouais, ouais, tu crois que je désire comme ça, moi? Mais du jour au lendemain, tu me dis que tu vas te marier. J'ai pas encore digéré. Ça y est. Tu vas m'en vouloir toute ta vie ou... Non, faut que je me cache. Désolé, des fois c'est des pulsions. Ah là, ça commence vraiment à m'énerver, hein. À un moment donné, ça va m'énerver plus qu'autre chose et ça va être fini, hein. Oui, désolé. Bah, allez, salut. Bon, bah les gars, on a la voiture. On va aller tester ça. Oh les gars, faut qu'on reprend du business, c'est parti. Déjà, la d'origine, elle marche trop bien, wesh. Regarde, qu'est-ce que... Wesh. Bon, par contre, faut la contrôler, hein. On va aller au Weasel News, on va voir s'il y a des gens. On va commencer à lui dire de nous refaire des articles parce que le casino va bientôt rouvrir. Oh, je crois qu'il y a des gens. Oh, il y a quelqu'un. Moi, je fais comme chez moi, je monte, moi. Chut, restez là. Moi, ça, vous travaillez ici, monsieur? Non, je travaille pas ici, mais monsieur là-bas est... Niquer ma couverture, putain. Ouais, votre voix me dit quelque chose, c'est pas vous. Ça me fait rappeler un ami que je viens d'apprendre qui est mort. Ah, il vient de se faire enterrer aujourd'hui, sûrement, non? Il y a qu'une seule mort là qui s'est passée il y a pas très longtemps. Amon. Ouais, c'est ça. T'as entendu parler, ils sont tous morts vraiment? Ouais, bah, je suis juste à l'enterrement aujourd'hui. Les gars, comme par hasard, c'est son nouveau perso ça. Là, c'est pas Amon, les gars, c'est son nouveau perso. Là, je suis venu pour. Parce que je suis de retour, je vais remettre en place mon casino et tout, et je vois qu'il est où, journaliste. Ok, moi c'est Day. J'avais le Covid, j'étais hiberné, m'a enfermé dans une grange, je suis devenu un animal. Ça va mieux là? Ça va? Bonjour. Ah ouais, ça c'est du matos, ça c'est un boyau. Pas les cheveux blancs, la blonde, oui. Non, excusez-moi. Bonjour, enchanté en tout cas. C'est quoi un boyau? C'est un noyau. Enchanté en tout cas, je suis patron du casino. Vous travaillez ici ou pas? Parce que j'ai besoin d'un journaliste, parce que je vais rouvrir mon casino. Il vient de retourner dans le bureau. Ouais, il est là-bas derrière. Ok, merci. Non, bah bonne journée, hein. Ouais, pareil. Oh là, qu'est-ce que Dieu il peut créer, bordel. En tout cas, toi, t'as pas gâté, hein.
Oh, je t'aime bien, toi. Non, je rigole. Oh, je vais aller voir le journaliste déjà. Bonjour, bonsoir. Bonjour. Vous travaillez ici? Oui, je suis le patron. Oui. Et voici mon employé. Enchanté, Diego Sanchez. On s'est déjà vu, non? Bah oui, bien sûr. Oui. On peut parler, on peut s'entretenir dans un bureau? Oui, venez dans mon bureau. Alors, bon, ouais, comme vous l'avez pu apercevoir, j'étais pas trop là ces derniers temps. Je suis tombé malade, j'ai attrapé le Covid. On m'a enfermé. J'étais comme un ours, là. J'ai hiberné. Et voilà, et là, je ressors. J'ai besoin de reprendre mon entreprise en main. Le problème, c'est que j'ai appris que tous mes employés sont morts. J'avais embauché un mec qui s'appelait Amon, Uno, Calvin, Roy. Tous sont morts. À part Aziz, le plus con, il est pas mort. Et en plus, c'était un groupe de potes. Et je savais qu'ils étaient recherchés. Ils avaient une prime sur la tête. Et là, je me retrouve un peu dans la merde. Je peux pas rouvrir le casino comme ça, vous voyez. Je voulais voir un peu, voilà, pour essayer de faire remonter un peu la hype. Je sais pas, pour pas que les gens ils oublient le casino, que ça va bientôt rouvrir. Moi, vous savez, je vous payerai ce qu'il faut, hein. Est-ce que déjà, vous voulez quoi? Peut-être plus une annonce pour du recrutement de personnes dans un premier temps? Ouais, voilà. Femmes surtout. Femmes, parce que qui dit femme, ben, ça ramène plus de clients et elles savent vendre. Vous recherchez, du coup, on va dire, peut-être un poste en homme et plusieurs postes en femme. Voilà, c'est ça. Je vous laisse mon numéro, comme ça, vous pouvez partager mon numéro. Force à moi. Et donc, après, la page de recrutement, ce serait une page de réouverture, si j'ai bien compris. Ouais, c'est ça. Faudra faire deux. D'abord, on fait les recrutements et après, je vous recontacte pour. Voilà quoi. Oui, bien sûr, mais c'est comme ça, j'ai le temps de la faire. Quoi. Ouais, voilà. C'est pour ça, moi, je prends en avance. Vous avez le temps. Diego, j'ai pris une graphiste. Elle est exceptionnelle. Elle fait des très, très beaux portraits. Eh ben, je regarderai ça, alors, y a pas de souci. Si ça change de toi, tant mieux. Hein. Si vous voulez voir mon Insta, hein, au pire, vous verrez. Ah, attends, je vais aller voir. Oh, c'est Chromimi. Allez, je vous follow. Eh, vous êtes forte, vraiment, hein, vous avez du talent. Allez, je vous dérange pas plus, ouais, les amis. Je tiens au courant pour la suite, merci à toi. Merci beaucoup. Allez, passe une bonne soirée. Ok, ben là, les gars, ce qu'on va faire, ben... On va tester un peu le boîtier, là. Eh, je me rappelle plus comment ça marche, putain. Ça, faut qu'on monte à fond, ça, c'est pour débrider. On met un peu de boost, là. En fait, on monte un petit peu tout, quoi, sans trop abuser. Et là, normalement, c'est bon, je l'ai appliqué. Ah ouais, putain. Attends, faut qu'on va sur l'autoroute, parce que ici, c'est compliqué. Le problème, les gars, je sais pas, entre celle-là et la Fiat, quel serait le mieux pour la préparation. Là, le problème, j'aurais bien voulu aller aux pistes de drag. Mais il est en travaux là actuellement. Donc on pourra pas y aller là-bas. Elle est beaucoup plus lourde. Mais il faut bien la préparer. Attends. Mais oui, je sais. Ils ont mis la piste de Caillot. On va aller à Caillot. À Caillot maintenant, il y a un pont. Voilà, on va aller ici. Ok, on arrive bientôt. Et en gros, là-bas, il y a un grand pont maintenant. Ils ont ajouté sur le serveur. Mais il y a la frontière et tout. Mais j'espère qu'il n'y a pas les flics. Comme ça, on peut passer tranquille. Putain, j'espère qu'on va pas avoir des problèmes par contre. Hein. Attention. Go. Ok, là elle a un peu du mal à décoller, les gars, on fait des tests. Elle a du mal quand même pour le moment, mais elle marche bien. Mais il faut qu'on la booste plus. Ok, les gars, on va augmenter le programme, hein. J'ai l'impression que la ligne droite ici, elle est plus grande que la piste de drague. 3, 2, 1, go. Oh là 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 là. Ça patine beaucoup. Elle est toujours aussi lourde, hein. Non, la vérité, il y a un problème là. Regardez, les gars, on a eu un petit souci. On va refaire un troisième test. Le troisième test, ça va être bon maintenant. Oh, le frein marche bien en tout cas. Troisième tentative, j'ai augmenté encore. Et là, cette fois-ci, à mon avis, on va être bon. Ah oui. Wesh. Voilà. Putain, reste droit. Regardez le compteur, Allez, est-ce qu'on va atteindre les 1000? Wesh. Oh, freine. Wesh, vous avez vu le compteur? Ouais, là, on est bien, là. Il faut prévoir tout ça, parce que lui, là, il va aller à au moins 1300, au moins. C'est vrai que RP parlant, enfin, dans la vraie vie, on peut pas aller autant de kilomètres, mais bon. Et là, on est dans le RP, vous inquiétez pas, on fait des tests. Allez, deuxième test, on va se mettre bien au milieu. Garde le même programme, on va pas augmenter plus. C'est parti. On va bien regarder combien on monte. Allez. 1100, 1200 km/h on est monté. Putain de bordel de merde. Allez, c'est bon pour aujourd'hui. Et la voiture, c'est un monstre. Voilà. Elle tient bien. Bon ben voilà les frérots, aujourd'hui on a préparé cette voiture. La prochaine fois on teste avec la Fiat au pire. On essaie de faire un gros programme. Vous savez, je suis obligé de faire des gros programmes parce que lui à côté, il va pas déconner, hein. Et qu'est-ce que je fous ici, je sais pas. On va retourner chez nous, que lui vraiment il va pas déconner. Lui il va mettre son programme, il va tout péter. T'inquiète même pas. Ok, on est revenu à la maison. On va se garer ici. Voilà les frérots, bon écoutez, on va se laisser là-dessus. Ne vous inquiétez pas, on reprend à gogo les vidéos de Diego. On va essayer de se remettre bien. Vous avez votre petite série comme d'habitude qui reprend. Là c'était un peu aujourd'hui, il fallait que je me remette un peu dans le bain. C'était cool quand même, j'ai bien rigolé. On a eu une petite voiture. Je pense que les gars, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ça serait bien, on fait un garage collection. On collectionne des véhicules. On prend que des véhicules collector. On devient un collectionneur de véhicules. Et on essaie d'avoir le plus de véhicules possible. Ah là là, ça fait plaisir. On va prendre une photo, on va mettre sur Instagram. Voilà, on a publié une photo. Ah là là, regardez. Et hey, je suis trop fan, les gars, je vous jure, je kiffe trop. Oh là, imagine un jour j'ai un truc comme ça IRL. Bon, voilà mes frérots, je vais vous laisser là-dessus. Dites-moi ce que vous en pensez de la caisse. Dans la semaine, on va continuer à remettre notre entreprise en place et essayer de reconstruire tout ça. Voilà, tout simplement. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Merci encore du soutien et de votre compréhension pour mon absence. J'espère que vous m'en voulez pas. Prenez soin de vous, la santé c'est très important. Là, je me suis rendu compte parce que je suis allé à l'hôpital et tout, j'ai vu des choses. Donc prenez soin de vous s'il vous plaît les frérots. Allez, à la prochaine. Ciao.